Bonjour les enfants. Dans notre dernière vidéo, nous avons appris à reconnaître la lettre O. Nous avons aussi vu que lorsque nous prononçons le son O, notre bouche prend la forme d'un petit rond. Comme pour le son A, je te propose de deviner sur les 6 images suivantes quels sont les sons que Petit œuf prononce. Est-ce un I, un A ou un O? Voyons si tu as trouvé. Sur la première photo, c'était un O. Sur la deuxième, un A. Sur la troisième, un I. Sur la quatrième, encore un I. Sur la cinquième, un O. Et sur la dernière, un A. Je te propose maintenant un exercice au cours duquel nous allons apprendre à repérer le son O dans des mots. Comme tu commences à en avoir l'habitude, nous allons procéder un peu différemment des vidéos précédentes. Tu vas devoir séparer ton ardoise en 8 zones pour y inscrire tes réponses. Pour cela, trace une ligne verticale, une ligne horizontale et segmente encore chaque zone en 2 ainsi. Quand l'exercice débutera, je te donnerai des mots. Tu les répéteras après moi. Tu t'écouteras parler pour entendre le son O. Et tu essaieras de sentir si ta bouche forme bien un petit rond. Quand tu penseras entendre et prononcer un son O, tu inscriras un rond dans la zone qui correspond à l'image. Et quand tu penseras que tu n'entends pas et que tu ne prononces pas de O, tu inscriras une croix. Nous corrigerons l'exercice quand tu auras complété toutes les cases. Tu es prêt? Tu es prête? C'est parti! Lapin. Répète, lapin. Je te laisse choisir. On continue. Salade. Répète, salade. Tu entends le O? Troisième mot, tomate. Répète, tomate. Je te laisse réfléchir. On passe au quatrième mot, crocodile. Répète, crocodile. Je te laisse inscrire ta réponse. Cinquième mot, koala. Répète, koala. Entends-tu le son O? Sixième mot, souris. Répète, souris. Je te laisse réfléchir. On passe au septième mot, ballon. Répète, ballon. Je te laisse faire ton choix. Dernier mot, arrosoir. Répète, arrosoir. Je te laisse choisir. Allez, maintenant, on corrige. Dans le mot lapin, on n'entend pas le O. Il fallait donc inscrire une croix. Dans le mot salade, là non plus, on n'entend pas le O. Dans le mot tomate, on entend le O au début du mot. Il fallait donc dessiner un rond. Dans le mot crocodile, on entend le O deux fois. Dans le mot koala, on entend le O. Dans le mot souris, on n'entend pas le O. Dans le mot ballon, on n'entend pas le O non plus. Et dans le mot arrosoir, on entend le O au milieu du mot. As-tu eu beaucoup de bonnes réponses? Je te propose maintenant une deuxième activité. Nous l'avons déjà faite pour le son I et pour le son A. Je vais te donner des mots. Tu compteras le nombre de syllabes de chaque mot. Pour chaque syllabe dénombrée, tu traceras un trait sur ton ardoise. Par exemple, pour le mot radis qui possède 2 syllabes, il faudra tracer 2 traits. Et pour le mot domino qui possède 3 syllabes, il faudra tracer 3 traits. Quand tu auras bien dénombré les syllabes du mot que je te proposerai, il faudra le répéter lentement et écouter sur quelle syllabe tu entends et tu prononces le O. Pense à sentir ce que fait ta bouche. Sur les syllabes où se trouve le O, tu mettras un rond. Et sur les autres, une croix. Tu as compris? On commence. Écoute bien le premier mot. Vélo. Répète, vélo. Marque les syllabes sur ton ardoise. Combien as-tu trouvé? Il y en a 2. Maintenant, répète à nouveau le mot vélo en montrant chaque syllabe avec ton doigt. Je te laisse coder la présence du O. Ça y est, on corrige. V, on n'entend pas le O. L'O, on l'entend.
Passons maintenant au deuxième mot. Robot. Répète, robot. Marque les syllabes. Il y en a deux. Répète encore le mot robot en déplaçant ton doigt sur chaque syllabe et marque l'endroit où tu entends le O. On corrige. Ro, on entend bien le O. Bo, on l'entend aussi. On passe au troisième mot. Avocat. Répète, avocat. Dénombre ces syllabes et trace les traits sur ton ardoise. Combien en as-tu tracé? Dans le mot avocat, il y a trois syllabes. Maintenant, répète à nouveau le mot en marquant la présence du O. On corrige. A, on n'entend pas le O. Vo, on l'entend. K, on ne l'entend pas. On passe au quatrième mot. Momie. Je te laisse quelques secondes pour travailler tout seul ou toute seule. On corrige. Momie a deux syllabes. Dans mo, on entend le O. Dans mi, on ne l'entend pas. Voici le cinquième mot. Domino. Allez, au travail. On corrige. Domino possède trois syllabes. Dans do, on entend le O. Dans mi, on ne l'entend pas. Et dans no, on l'entend. On arrive au dernier mot. Stylo. Je te laisse réfléchir. On corrige. Stylo possède deux syllabes. Dans sti, on n'entend pas le O. Et dans l'eau, on l'entend. Pour finir notre séance, je te propose un troisième exercice, celui des chenilles. La première chenille veut que tu montres les anneaux sur lesquels sont inscrits des O en écriture script. Allez, je te laisse les chercher. Vite, vite, je corrige. Il fallait en trouver 5. Et voilà la deuxième chenille qui veut que tu repères des O en écriture cursive. Je te laisse les chercher. Attention, je corrige. Il fallait en repérer 4. Voilà, notre séance est terminée. Si tu en éprouves le besoin, tu pourras revoir cette vidéo pour t'entraîner à nouveau. Je te propose également 3 exercices en ligne dans la description pour t'entraîner différemment. Et lors de notre prochaine séance, nous étudierons une nouvelle lettre, la lettre U. À bientôt !